Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 37e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors, bon, je vous avais essayé, on avait repris un peu du poil de la bête, en tout cas au niveau du nombre d'unités. Ce qui n'est pas forcément non plus une très très bonne nouvelle, étant donné que c'est quand même des unités toutes pourries. Et qu'il faut quand même en récupérer. Enfin, il faut quand même qu'ils s'améliorent un peu, parce que là ça craint. Ah, piller, piller, piller. Quoi? 40 contre 60, ok. Donc alors attendez, tenez cette position, je vais commencer à y aller parce que là vous êtes tous des paysans de Plouki dans le fond du Cantal là. Donc on va y aller mollo. Ils sont où? Ah. C'est-à-dire que moi je vais y aller d'abord en mode low. Bon, sans me faire tuer aussi, ça serait cool. Je vais d'abord y aller en mode low. Mais genre, mais les mecs, ils veulent vraiment ma mort. Hein. Je pense super cher. Hein. J'en ai mis quelques-uns parce que là c'est craignos. Voilà. Non, attendez, c'est pas cette touche. C'est là. J'en ai tué 10, il en reste 19. On pourrait leur dire de charger. Il faut que je retrouve les touches. Parce que j'ai quand même une disposition bien pourrie avec mon nouveau micro. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le micro entre le clavier et moi, sauf que du coup, je vois pas mon clavier et j'ai du mal à voir le bas de l'écran, donc je suis super élevé sur ma chaise. C'est vraiment la position de la galère, mais je peux pas faire autrement tant que j'ai pas de porte-micro. Comment ça s'appelle? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Un trépied? Ouais. Un trépied avec un bras? Pour pouvoir le mettre en fait en biais face à ma bouche et sur le côté, comme ça libérait un petit peu mon champ de vision. Parce que là pour l'instant ça craint du bout. Voilà, le truc c'est qu'il y a des renforts qui arrivent, mais je vais m'occuper des renforts. Voilà, il devrait s'occuper des. Oh la vache, mon cheval! Comment il vient de prendre super cher? Il a toutes les. Il a les lances plantées dans les yeux! Oh, mais les mecs! D'accord, c'est ceux-là, c'est les gros tirailleurs de la mort là. Les mecs, ils. Non, mais laissez mon cheval tranquille! Il nous a rien fait, enfin, en tout cas pas moi. Les mecs, ils arrivent pas à se dépatouiller avec juste un mec. Voilà, là il devrait s'en charger. J'espère, ou alors c'est vraiment des nuls. Donc on va éliminer lui. Oh. C'est vrai que j'aime pas trop le côté gauche. Ouh, chaud. Bon, on a eu deux morts, ça va. C'est pas non plus excessif, mais merde, mon cheval quoi. Il a tellement pris cher. Bon, on aura des bandits, des montagnes à vendre, ce qui est plutôt cool. Donc on va récupérer tout ça, ça fait toujours un peu d'argent de poche. Peut-être. Ah, j'irai jeter un œil dans ses entrailles pour le marché noir s'ils n'ont pas plus courtois. Ah,
Les mecs ils se battent juste parce qu'il y en a un qui est pas. Oh. En même temps, tu vas pas aller. Il faut pas aller trafiquer des entrailles de cadavres. Dégueulasse. Les mecs ils vont pas aller planquer leur pognon dans leur. Dans leur derrière. Ou 41. Bon, 29. Allez. 29 contre 62. Bon, par contre, là, ça craint un peu. C'est des grosses collines. Et j'aime pas ça. Je vais les attendre plutôt vers là. Quoique, on pourrait monter. Ça fait toujours d'expérience. C'est toujours bon à prendre. Ah, c'est vrai que j'ai perdu mon super ingénieur là. C'était quoi? C'était Artenheimer? Je prends cher. Ah, mais il reste tout ça qui est passé. Oh. Surtout, j'arrive même plus à tirer. Pas à tirer. Ça fait. Oh. Ok. Arrêtez de parer mes coups, c'est juste tout ce que je vous demande. Et des arbalétriers Rodok qui tuent. Ok. Ah, flûte, de nouveaux ennemis sont arrivés. J'espère que pas beaucoup, de toute façon je crois qu'il est que 29. Ça passe. Voilà, ça craint un peu, je suis ralenti. Ah. Bon, lui il va aller se jeter dans la gueule du loup. Ça passe. Bon, on va peut-être leur dire d'attaquer. Tac, chargé. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez de parer. Bon, ok. Hop, le combat de titan. Allez. Faites gaffe, il y a un mec derrière. Voilà. Ça, c'est bon. Aucune perte, on va capturer des bandits. J'ai plus de place. Et... Ah oui, bah oui, c'est pas sympa. La tifle à la tête, ça fait froid dans le dos, vraiment. Bon, les mecs, vous énervez pas, et vous avez juste des techniques un peu bourrines pour certains pour éliminer des adversaires, hein? Ils sont combien, attendez? 37? Bon, ça passe. Je peux y aller, je fais peur. Il y en a une qui tranche des têtes et qui. Enfin, qui tranche des gorges et qui éventre. Bon, et toi, t'es censé être le barbare, mais tu fais dans la finesse. Bon, bah pourquoi pas. Allez, j'ai des prisonniers à te vendre. Bon paquet. Toc. Alors, place du marché, marchand de biens, on va vendre des trucs. Question est, est-ce qu'il y aura assez d'argent de son côté? Mais oui. 545, c'est très bien. On va pouvoir
Améliorer ses recrues. Merde d'esclave. Toc, des arbalétriers entraînés. Ok, on commence vraiment, vraiment, vraiment à reprendre du poil de la bête parce que là, c'était pas gagné du tout. Ouais, bon, pas Gondourpillé, je sais. Aha, une bataille. Aider les armées de contre tribaux. 104 contre 37. On peut y aller. On va leur dire de tenir la position. Histoire d'être peinard. Ils vont attaquer par où? La carte. Ah, attendez. Je regarde peut-être pas au bon endroit. Ils vont attaquer par là. Ils sont là. Ok. Je suis un petit peu au milieu. Parce que là, ça va être une bataille rangée. Et mes unités, vous tirez pas où? Ah si. Allez go. S'éclater un peu. Ouf, 84 points de dégâts au cheval. Ah, ok, d'accord. Non, là, laissez-moi passer. Il laissez-moi passer. Ah là là. Non mais pousse-toi mec. T'es devant moi. Ok. On va aller voir ailleurs. Toc. Ça fait beaucoup d'XP. Non, ça c'est genre pas sympa. Oh, mec s'enfuit. Et mon cheval est presque mort. Voilà. Ah zut, il y avait des renforts. Bon. Ah ils sont là-bas, ça devrait aller. Ouh, le comte tribo était assommé par une recrue quoi. Genre si je tue pas la recrue derrière, elle va être promue. Voilà. Tac, plus que deux. Ok, il en reste une quelque part. Ah bah elle était à côté de moi. Oh. C'est sûr que si je sais pas taper. Voilà. Victoire. Aucune perte, peinard. Bon, il a réussi à s'échapper. C'est pas bien grave. On a pas mal de trucs intéressants qu'on pourra vendre. Quelques deniers. Bon, ben voilà, t'es content. Elle est plutôt contente finalement de Borcha. Paris pouvait pas se saquer, mais finalement c'est passé. C'est cool. Alors, je veux juste regarder où est-ce qu'on pourrait aller. Dirim s'est fait récupérer, ce qui est très embêtant. C'est là surtout, ça craint. On pourrait y aller, mais j'ai plus de mecs spécialisés dans la. Maréchal à Comte Gurland, spécialisé dans le. Ah, comment ça s'appelle? Les sièges.
Oh, village envahi par 40 bandits. Bon. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est beaucoup. Bon, eux, ils ont des canassons aussi. Mais nous, on a plein de fermiers pour faire tampon. Il y a un moulin, quoi. Ça, c'est un village prospère. Alors, poussez-vous! Vraiment pas pratique quand on a un cheval pour taper sur des autres chevaux. Genre là je suis bien dans un trou, j'ai fait le con. Et pousse-toi. Genre l'endroit pas pratique du tout pour se battre. Un flanc de colline avec des arbres. Mec, vous auriez pu choisir un meilleur endroit quand même. D'ailleurs. Surtout que les mecs, ils ont tous des boucliers. Toc, déjà, on va se mettre à pied. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique dans ce genre d'endroit. Difficile de manœuvrer un genre d'endroit à cheval. Bon, sauf pour l'intelligence artificielle qui bizarrement est plutôt bonne à ce niveau-là. Yes, niveau 25, niveau 25. Ça c'est cool, ça c'est très très cool. On va prendre ce qui nous reviendra, quelques olives. Bon. Recruter des volontaires, voilà. Toc, on améliore deux unités. Voilà, et donc moi je peux monter de niveau, ce qui est très 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 cool. Il faudrait que j'augmente le charisme sans du commandement trop faible, parce qu'il faudrait que j'atteigne les 100 unités, ce qui est pour l'instant pas le cas. Repérage, ça fait vision augmentée de 10%, tactique dans ce groupe. Un pillage, c'est cool. On va mettre en pillage. On dirait qu'on aille piller un peu. On va piller Burglen. Ça peut être une bonne idée. Sauf si je me fais attaquer par 42. Par 42 bandits. Toc, toc, tenez cette position. Genre, la nana, elle est en robe. Et elle déchire des gorges et elle transperce des intestins. Oui. Ça, c'est de la nana. Bon, alors. Bah ils sont où? Ah. Ok, ok les mecs, ne m'énervez pas. J'ai fait la bêtise de les attaquer. Mais genre là. L'archerie de fou quoi. Ils sont tous avec un arc. Ah non, il y en a un qui était pas avec un arc. Ah. La technique de je tourne côte marche toujours très bien. Sauf que là il commence vraiment vraiment à être très proche. Ok, là je crois qu'ils commencent à épuiser un peu leurs flèches. Que dalle en fait. Mec, ils ont une cadence. Non. Chargé, voilà. Que je me fais pas toucher. Ah voilà. Ouais.
juste au moment où je dis ça. Il fait toucher. Donc on va finir cette bataille. Ah. Dès que je me rapproche, en fait, là, je me fais bien toucher. Parce que là, ça continue en plus. Une attaque de là-bas. Ok, bon là j'espère que ça va passer. Moi je vais attaquer un peu ailleurs. Ah. Ça passe pas tant que ça. Ah. Oh. Même plus à taper. Marnie a atteint le niveau 2. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Pourquoi j'ai paré au moment de taper? Bon, vous m'éliminez. Je vais m'occuper de celui qui est là-bas. Coucou. Voilà, ça y est, victoire. 3 blessés. Il y en a pas mal de trucs à revendre. Bon, plus de place. 193 zoniers. Et on va promouvoir. Pas parce que promouvoir, ça n'existe pas. On va promouvoir un peu tout ce beau monde. Toc. On commence à reprendre clairement du poil de la bête, ce qui est très très cool. Alors on va te monter un petit peu de niveau, t'es très intelligent. Non, c'est une compétence de commandement. T'avais pas un marchandage? Ouais, marchandage t'es bon. C'est quoi? C'est charisme. Ok. Athlétisme, équitation, on a peut-être que je te mette un... comment ça s'appelle? Un cheval peut-être. On va mettre en soin des blessures. Toujours utile. À une main. Voilà. Donc, on va arrêter là cet épisode. Bon, bah on commence vraiment à reprendre notre troupe en main. On va pouvoir aller piller le village. Bon, faudra que j'évite ces bandits les forêts, ça sera un peu con-con. On va pouvoir aller piller Burglen. Je pense que ça sera déjà bien pour se remettre en selle. Bon, il faudra que je vende d'abord. On va vendre et ensuite on va piller Burglen dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, portez-vous bien !